Alors. Salut, mon mignon. Mesdames. Un si beau mec qui reste fidèle à sa bourgeoise. Quel gâchis. Hein, il ne nous regarde pas. C'est un bon garçon. Salut, Tommy. Le boss dit que t'as quelque chose pour moi? Ouais, j'ai reçu un stock d'un type de Force Dunmore. Salieri veut que tout marche comme un coucou suisse. Donc, pas de vague avant que sa tête explose. J'ai demandé à Little Tony d'en planquer une, comme ça. Là où tu sais. Donc, dans la tour de l'ancienne prison. Ouais. La famille a une sacrée histoire avec cet endroit. Maintenant que c'est plus à la mode, il y a des racailles qui y crèchent. Alors fais gaffe à toi. Little Tony a enfermé le fusil dans une pièce avec une vue imprenable. Tu verras, c'est tout en haut. J'en ai marre de lire les conneries de ces politiciens dans le journal. Cette ville est à nous, maintenant. Alors pile entre les deux yeux. Trouve un moyen d'entrer et rejoins le Mirador. Le dernier étage est fermé, mais la clé permet d'y aller. Que j'ai rien. Voilà. Je préfère celle-là. Ah ouais, tant que j'y pense. Ah merde! En fait, je bouge à la caméra, moi.
Oh, génial! Mais je sais, ça sert à rien, mais bon. Y a de la place pour dormir à l'intérieur? Ouais, y a plein de place. Si t'as pas peur du froid et des tarés qui crèchent là. Hé, hey, toi, viens! Approche. Y'a avec Tony? Ouais. Ton pote m'a payé pour que je t'indique le chemin du Mirador. Tu dois suivre ce symbole. Faut passer par les égouts. C'est le seul moyen. Après, tu remontes. Alors, tire-toi! Bon. Quelqu'un qui force l'entrée! Non. En tout cas, t'es pas avec nous. Je vous préviens, monsieur. Vous pouvez pas nous laisser tranquille? Toi le flic, t'es enfermé mon pote, on passe pas. Y'a quelqu'un qui force l'entrée.
Tu sais où est le Mirador ? Faut passer par les cellules du quartier principal. La porte est souvent fermée, pour pas que les fédéraux entrent. Merci. Fais bien attention. Ici, les gens n'hésitent pas à se protéger. À mon avis, il doit sortir ça aussi. Vous voulez bien arrêter ça ? Oh, on n'entend que vous ! Putain, y'a pas moyen de le prendre, t'es sérieux? Oh putain! Mais tu défoncez-les! Attention! Tu veux quoi, le guignol? Oh la vache. Pas de truc qu'à prendre, on sait jamais. Ah, là, il y a un bouquin. Ah.
Ben, je peux pas monter plus haut aussi. Vous seriez plus pour nous expulser. Poussez-vous ! Il y a un paquet de clopes. Forcément un truc pour ouvrir les... Pas un point d'accès avec un truc. C'est moins un levier quelque part. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, j'aurais dû voir s'il n'y avait pas un truc avec l'échelle.
qui revient de l'ancienne prison. Eh ben, c'est lui que j'ai tué, hein. M'échapper de la prison? J'ai pas tout compris là. Pas ce délire. Oh merde. Je suis resté longtemps dans les vapes. Je pourrais peut-être récupérer le paquet de clopes. Ça. A dit qu'il avait été déclaré mort sur place. Le paquet de clopes est ici. Tous ceux que vous trouvez. La police. C'est eux, c'est la police. Ça nous empêchera pas de revenir, bande de salauds.
plus. What? On se calme les filles, on se calme. D'autres issues ici. Tous les policiers de la ville t'attendent dehors. Ton seul était capable de bien. T'entends ? Avec bien. En haut, en bas. Sur toi. Faut que je monte, mais...
Comment veux-tu que je sorte de là? Sur moi. Pourtant, c'est ce que je viens de faire. Faut le prendre à revers. Il est pas ici. Ma main, j'ai fait tout le tour, je peux pas monter plus haut, c'est une blague. Mais sérieux, elle est où cette sortie ? Enfin!
Central Island. Le suspect s'est échappé. Continuez de patrouiller. Il s'est trouvé. Il est à pied. Mène-toi! Il est en voiture. Arrêtez-le dès que possible. Mais non, t'es sérieux? Bah oui, vous êtes mort. Tu parles d'une arnaque? Pour une fois que je trouve la sortie? T'es mon crevé un pneu. Sérieux, hein, avance, hein. Il est dans Works Quarter. À toutes les voitures, Works Quarter. C'était chaud. Il y a des barrages de flics dans tous les sens.
Ah bah je pourrais arrêter après ça moi. Genre j'ai une maison et tout. T'es au courant pour Turnbull ? Il paraît qu'il trempait dans des trucs pas nets. Dans le journal, ils disent qu'il restera comme l'homme qui s'est battu pour le 19e amendement. Il a risqué toute sa carrière pour ça. C'est lequel, le 19e ? Le droit de vote des femmes, idiot. Il m'a donné le droit de voter, Tom. Il a permis à sa femme et à ses 6 filles ce droit. Il semblerait qu'on connaisse jamais vraiment les gens. Il semblerait. Faut que j'aille travailler. Tom, je t'en prie, fais rien que tu pourrais regretter, tu m'entends ? Je crois que c'est trop tard pour ça. Vue plongeante. J'ai hâte de voir la dernière cinématique. Excellent. Ouais, c'est super, boss. Et ça, c'est que le début. J'ai un très bon plan. Toute une cargaison de tabac camerounais qui vient d'être saisie par les douanes. Et vous, vous allez la récupérer. Vous voulez qu'on aille voler des cigares ? Quoi, ça pose problème ? Les clients de nos clubs paieront une vraie petite fortune pour de bons cigares. Ouais, mais ça fait... Je sais pas... Petit bras, non ? J'ai toujours su que t'avais le nez creux. Tu laisses jamais rien passer. Ces petits bras, t'as foutrement raison. C'est censé avoir l'air petit bras. Les cigares, c'est juste une couverture pour une livraison de diamants. Et ces diamants sont planqués dans certaines boîtes. Mais les fédéraux ont encore rien trouvé. On va aller voler des diamants aux fédéraux ? T'en fais pas pour ça. J'ai déjà discuté de tous les détails avec Sam. Il va t'expliquer. Bon. J'ai un rendez-vous avec le maire dans son club préféré. Gérez ça tous les deux, mais je veux que les cigares soient ici avant que quelqu'un puisse comprendre la combine. Pigé ? Pigé, boss. Bien. Et vous n'arrosez pas le gosier avec Magnol quand je suis pas là. T'étais au courant ? Le boss et moi, on a réglé ça hier soir. On a un plan. Alors, j'ai pas dit que c'était un bon plan, mais on se fera pas buter. Normalement. C'est quoi le truc ? On a un gars à l'intérieur qui nous aide ? Non. On va faire ça seul comme des grands. Et ce sera pas simple. Les cigares sont dans des caisses. Au port. Merde. Ça va grouiller d'agents dans ce coin-là. Ouais. Ça sert à rien de foncer dans le tas. On doit la jouer en finesse. Donc on va voler un camion des douanes et entrer incognito. Super. Et donc buter le type qui conduit le camion. Non. On va l'effrayer un peu, on a juste besoin de ses papiers. D'accord. C'est mieux si on peut éviter de se débarrasser d'un corps. Allez, viens. On va voir si on peut se dégoter un camion des douanes au dock. Est-ce que ça va ? Ouais.
J'essaie juste de comprendre pourquoi on fait ça. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Le boss a besoin qu'on fasse le boulot, alors on le fait. On va quand même prendre de sacrés risques. Même pour des diamants. Si les fédéraux nous pincent, on risque de prendre perpète. Alors faisons en sorte de pas se faire choper. Ok? Ça, c'est le coup qui pue, ça. Ouais. J'ai du matos planqué près du port. Si l'un de vous a besoin d'un truc spécial, allez voir Vinny. Ouais, ben moi je m'arrête là.